Oui, donc je vous ai dit, l'expédition Carlyle, je vous avais fait tout un topo sur le blog là, qu'on a fait avec un là. Je sais pas si vous aviez été voir. Il y a pas mal d'informations dessus. Donc c'est connu à la vue, au vu. C'est connu de tout le monde. D'accord ? C'est quelque chose qui est quand même assez connu. C'est même célèbre peut-être. Oui, c'est célèbre, oui. C'est une des grandes disparitions qui a eu lieu l'année dernière maintenant. Non, plus vieux que ça, c'est 1919, du coup c'est plus vieux que ça. Ça avait fait la une des journaux, ça avait défrayé les chroniques, ça avait remué du monde. Et donc ce que vous savez, c'est que Jackson Elias avait décidé de retracer la route de cette expédition parce qu'il y avait quelque chose qui, selon lui, clochait. D'accord ? Et il avait des doutes sur certains trucs, qu'il fallait qu'il affirme ses doutes. Il est un petit peu pinailleur, j'ai l'impression. Alors, ouais, je resitue le personnage. C'est une espèce de journaliste, globe-trotteur, reporter, un mélange entre Tintin et je sais pas qui. Et voilà, c'est un peu. J'allais dire une bêtise. Non, t'allais dire une bêtise. Oui, j'allais dire une bêtise, mais je la garde pour moi. Bah non, ça serait dommage. Non. Bah non. Bon, un journaliste, un globe-trotteur qui parcourt le monde comme Tintin et Milou. Ok. Ouais. Donc ouais, la prochaine fois, voilà. Je la garde pour toi. Voilà. Et c'est ce qui me semblait aussi. Non, elle est bonne, elle est mignonne. Et donc, vous l'avez connu lors du passage au cirque et de tout ce qui vous est arrivé au cirque. Et donc, il vous avait envoyé un petit télégramme vous enjoignant. À le rencontrer le soir à l'hôtel Chelsea. Il était arrivé, ça vous l'avez déjà vécu, il était arrivé en bas, dans les espèces d'entrées qui servent d'attente, où vous aviez devant vous petit four, boisson sans alcool bien sûr à volonté. Vous êtes dans des fauteuils, dans une espèce d'ancien grand palace transformé en résidence, enfin en location de résidence, en chambre à louer quoi. Donc c'est quand même l'hôtel Chelsea, c'est quand même super classe. Hein. Faut imaginer les grandes colonnes, les grands rideaux, les grooms qui sont là pour vous servir vos moindres désirs. Et il vous avait dit qu'il allait chercher quelques affaires dans sa chambre. Et pendant ce temps-là, vous êtes donc remémoré cette soirée au cirque. Et donc, on reprend. Vous êtes toujours en bas. Dans ce hall d'entrée. En train de discuter toujours. À vous. Et Jackson Elias n'est pas descendu. Ça fait toujours un peu de temps qu'il est... Là, non, ça fait... en tout, ça fait moins de 5 minutes, quoi. Ah oui, ça va. Oh, bah, c'est rien. Eh bien, un petit four de plus, hop. Moi, je me lève, je regarde ma montre, ça va être encore long, cette affaire. Ah, ça y est, Hippolyte Lidl s'énerve. Ah, Hippolyte, soyez patient. Oui, mais bon, je sais pas que c'est à faire. Ça ne fait même pas 5 minutes. Vous faites quoi là? 5 minutes se sont encore passées. Bah un deuxième petit four. Il y a des portes à côté. Bah là vous êtes dans le salon de l'hôtel, donc ouais, vous avez vu, il y a un ascenseur devant vous. Et il y a un ascenseur devant vous et vous avez vu Jackson Elias s'engouffrer dans l'ascenseur et certainement aller à son étage. On a bougé à quel étage, il s'est arrêté. vous connaissez le numéro de sa chambre, il vous l'avait donné, c'est la 410. Bon, je sais pas pour vous, mais moi j'y vais, hein, j'en ai marre d'attendre. Bah allons. Oh là là, monsieur Needle. Oh, je peux manger votre petit four? Oui, allez-y. Donc en fait, oui, c'est l'hôtel Chelsea, c'est quand même 10 étages avec 97 chambres. Donc tu peux très bien, à ton envie, prendre l'ascenseur, monter. Et combien de petits fours? Là, il faut un petit nombre pour si tu montes à pied, pour tenir. Donc toi, tu y vas? Oui, je prends l'ascenseur. D'accord. Tu prends l'ascenseur et... Je t'accompagne. Vous êtes deux à... Vous êtes donc deux à monter dans l'ascenseur, ok.
Qu'est-ce Mon temps peut... est précieux aussi. Moi, je crois que je reste à côté de Khalid pour discuter. Pour l'instant, je trouve que 10 minutes, bah, quand même, quoi. Enfin, faut lui laisser le temps. Donc, Ah ouais ? Ils sont bons, les petits jours. J'en profite pour demander à Khalid s'il a retrouvé du boulot, si les bestioles vont bien, tout ça. Voilà. Effectivement, j'ai retrouvé du travail dans un. Ma foi. Oh là, pardon, je suis désolé. Désolé. C'est ça qu'on entend, va peut-être monter. Non, ça n'a rien à voir, c'est une totale erreur. C'est une prise que j'ai appris dans mon nouveau tour de cirque que je fais actuellement. Ah, ça fait partie de votre numéro, Khalid. Ah, d'accord, voilà. Là, il doit y avoir du monde qui vient voir ça. Je ne sais pas trop bien ce que c'est, mais. On a hâte de venir vous voir. Eh bien, en fait, je fais du kung-fu contre le gorille blanc. Qui lui-même fait de la boxe. C'est un tour unique, je crois, non ? Une seule fois. Voilà, une seule fois tous les 6 mois. Le temps qu'ils se remettent. Hein. Ok, donc, un et Nanand, vous allez switcher avec moi. Ok. Bien fait. Canal off. User left your channel. Channel switched. User joined your channel. Alors, vous êtes là tous les deux. Ouais. Donc, vous montez dans l'ascenseur. Chambre 410, quatrième étage. Vous êtes donc dans un long couloir et la chambre 410 se trouve au bout du couloir. Vous arrivez assez facilement à trouver la chambre 410. Il y a du monde dans le couloir ? Là, non, personne. Bon, on y va, je suppose. Oui, tape à la porte. Vous tapez à la porte ? Ok. Alors, deux secondes. Faites-moi rien. Quand vous tapez à la porte, ça ne répond pas. J'essaye d'écouter, voir si j'entends quelque chose à l'intérieur. Bah, tu vas me faire un petit listen. Oui, rien. ok. Tu n'entends rien. Tu fais quelque chose, toi, cher Vassili ? J'essaie d'ouvrir. Hein. La porte est fermée. Je tambourine plus fort à la porte. Ok. Attends, poussez-vous, moi je vais m'occuper de ça. Hein. Pas de temps à perdre non plus. Hein. Tu fais quoi ? J'essaie de foncer dans la porte. Ok, tu vas me faire tout seul, tu veux. Enfin, ouais, tu dis que tu vas peut-être avoir du mal, mais tu vas me faire un jet de force. Tu m'as fait quoi ? Un régulier. Régulier. Tu arrives à dégonder la porte. Enfin, t'arrives à l'enfoncer d'un coup d'épaule. Tu vois Vassili, tu vois Hippolyte qui fait vaciller, qui fait éclater la porte en fait. Et juste au moment où tu vois où t'es censé rentrer, enfin voir l'appartement en fait, devant toi se tient un homme avec un poignard à la main. Il te saute dessus. Ok. Tous les deux. Hop. Et hop, vous avez tous les deux accès à la carte, c'est bon ? Oui. Okay. Bon, ouais, ça charge. Ok. Hop, et il est où, Livassi ? Il est là. Ça, c'est le couloir, là, on est ? Ça, c'est le couloir où vous êtes, en fait. Ouais, la okay. porte, elle donne D'accord. celle que tu viens d'enfoncer. Donc, toi, t'es là, et tout de suite, je vais vous... Tout de suite, je... Hop, deux secondes, je ouvre tout ça. Je vous fais ça tout de suite. Hop. Est-ce que l'homme je le reconnais par hasard ? Alors là, non, pas du tout. Ok, tac. Là. Et hop là, voilà.
Donc il y a un homme devant toi, en fait, tu vois un espèce, enfin, ouais, c'est un black avec une espèce de coiffe africaine. Il se lance sur toi et il essaye de te foutre un coup de couteau. Il a une espèce de coupe-chou à la main et il essaye de te foutre un coup de couteau directement, quoi. Tu vas faire quoi? Okay. Je te rappelle les combats. Tu réponds tout de suite, soit tu rends les coups, ou soit tu peux tenter d'esquiver avec ta compétence esquive. Esquive, c'est dodge, hein. Ouais, c'est dodge. Ouais, mais non, je rends les coups. Ok, d'accord. Donc dans ces cas-là, si tu rends les coups, on fait tous les deux, tu te bats à quoi? T'es au point? Bah, j'ai juste au point. D'accord, donc dans ces cas-là, c'est un combat manu tous les deux, celui qui a la plus grande... celui qui a la plus grande réussite remporte sur l'autre. Ok. Ok. Bah du coup ils vont le voir en tout. Ouais, bah c'est pas grave. Régulier succès. Ok. Et lui donc il est au coup de chou. Ah ouf. Je fais. Ah tu vois pas mes jets peut-être non. C'est moi qui remporte. Je fais un extrême succès. D'accord. Je rangerai après pour vous voyez mes jets pour vous bien voir que je trompe pour que je trompe pas. Que bon, je ne triche pas mais bon. Donc tac, tu essayes de l'esquiver, mais lui avec son coupe-chou, il arrive à t'en foutre un coup sur le flanc. T'es bien blessé. Tu viens de recevoir 8 points. Tu viens de recevoir une blessure de 8 points quoi. Ouais. Ça rigole pas. Mais en même temps, j'ai fait un extrême succès. Hein. Depuis hier, je suis en chance avec Médéa. Vassili, toi tu fais quoi? Ah bah quand je vois le combat, je dégaine mon arme. Tac. Et je pointe en joue. Tu dégaines ton arme. Ok, d'accord. Tu vois clairement qu'il pense qu'il s'est débarrassé d'Hippolyte. Mais voilà quoi. Il pense qu'il s'est débarrassé d'Hippolyte. Donc il va se jeter sur toi. C'est... Bon, je tire. Tu peux jouer. Ouais, tu peux y aller. Tu tires. Ah, bah oui. Ok, d'accord. Vas-y, je t'en prie. Avec. T'as juste à faire un coup de feu. Oh putain, ils doivent entendre là-haut, ils ont les sons. Merde. C'est con. Tu le loupes. Donc lui, il a évité. Ok. Il a dit 60. Vous entendez, pendant ce temps-là, vous entendez que ça remue dans la chambre. Ok. D'accord. Donc c'est à lui, Vassili. Il va jeter sur toi en pensant qu'Hippolyte et Knakout est ce qu'il doit être d'ailleurs avec un point de vie. C'est ça, c'est ce qui te reste, c'est un point de vie. Ouais, il m'en reste. D'accord. Il pense que voilà, Hippolyte, il est bien amoché sur le côté, donc il va essayer directement de te foutre un coup de coupe-chou. Ouais, je vais esquiver. Tu esquives, donc tu utilises ta compétence esquive. Hop. Tu esquives. Est-ce que tu réussis ton esquive? Ouais. Ouais, d'accord. En fait, t'arrives. Il essaye de te mettre un coup de chou, mais tu prends appui sur ta canne. Tu sais pas trop comment tu te débrouilles, mais hop, t'arrives à l'éviter. Hippolyte, tu fais quoi? Je dégaine et je tire dessus. Ok, d'accord. Je t'en prie. Ouf, vas-y. Enfin, ouf, ouf. Je cible. Oh, mais c'est pas vrai, sérieux, quoi. Il vous regarde et il s'enfuit par le couloir. Non, je dis une bêtise. Il vous regarde, mais il s'enfuit par le. Il rentre dans la chambre, en fait. Parce que là, il voit qu'il a affaire à deux pistolets en face de lui, donc. Il se sent pas bien. Bah oui, je sais que vous entendez. Non, mais vous entendez pas. Vous êtes à 4 étages plus bas, vous entendez pas. Attends, 2 secondes. Je reviens. Je vais faire un truc. Attendez, bougez pas. C'est ce que j'aurais dû switcher ma musique avec. Hop. User joined your channel. Hop. Qu'est-ce que j'ai switché? Je fais n'importe quoi, moi, ce soir. Non, c'est bon. C'est ça. Voilà, là, c'est là. Et donc il recule dans la rue. Ok, bon. Si j'ai le temps, moi je tire sur lui. Ouais, ce que j'allais dire, s'il est dans la ligne de mire.
Oui, vous avez le temps. Ah, c'est mieux. Ok, d'accord. Eh ben voilà, quand vous voulez, vous voyez. Ah bah quand même. Ok. Ok. Vous l'avez tué. Vous me l'avez tué là. Oui. Ah bah vous me l'avez tué. Bah sur place. Quand même. Ok. Donc vous rentrez dans la chambre. Oui. J'essaye de rentrer. Je suis un petit peu amoché quand même. Hein. Ok. Oui, t'es un peu amoché. Ouais. Tu te tiens sur le côté. Tu sais qu'il va falloir. Tu sais qu'il va pas. Il va pas falloir tarder à aller te soigner à l'hôpital. Je tends mon mouchoir à Hippolyte. Mettez ça sur votre blessure. Ah merci, mais ça m'a touché le cou. Vous faites. Alors donc il y en a un qui est mort. Il ressemble. C'est ce que je vous disais, il a une espèce de coiffe africaine sur la tête. Et une espèce. Enfin ouais, un black. Et voilà, c'est tout ce que vous pouvez en dire, quoi. Bon, toi, Hippolyte, tu te sens pas très bien. Oui. Vous faites quoi? Je rentre dans la pièce et je regarde si j'ai entendu du bruit. Oui, effectivement, tu entends du bruit un peu plus loin. J'ai ma lumière, par contre, quand on rentre. Alors, ouais. Attends deux secondes, je vérifie juste un truc. Ok, d'accord. Là, après, faudrait rentrer, c'est ce qui vous semble être... faudrait dessiner, s'il te plaît. Merci. Voilà. Là, c'est ce qui vous semble être l'entrée de la chambre. Vous faites quoi? Je vais passer devant. Je me mets à l'embouchure, j'allume. Je vais de l'autre côté. Ok, d'accord. Quand vous rentrez, vous voyez clairement une forme sur le lit. Les draps sont tachés de sang. Sont remplis de sang. Et il y a un corps sur le lit qui est là. Apparemment, faudrait avancer, mais apparemment éventré, vous savez pas trop. Il faudra avancer un peu plus pour voir. Il y a quelqu'un d'autre dans la pièce? Là, vous ne voyez rien, à part la fenêtre ouverte. La fenêtre qui donne sur la rue. Attendez, bougez pas. Hop là. Vous faites quoi? Moi je rentre. On rentre, on a une lumière. Hippolyte, ouais. tu pisses le sang. Hein, donc, ouais, moi je me traîne. Ouais. Partout. Ouais. La lumière, ouais, avec la lumière vous arrivez, il fait assez jour pour voir. Mais sur le lit, gît le corps d'un homme, vous n'êtes pas sûr parce que vous avez du mal à l'identifier comme ça. Il a la tête tournée contre le matelas. Je m'appuie contre le mur, moi. Toi, Vassili, quand t'arrives, tu retournes la tête, tu fais merde, Jackson. Et oui, c'est bien le corps de Jackson et Elias qui est là, au milieu du lit, complètement éventré. Tu vois même qu'il a eu des incisions dans le ventre. On lui a, tu sais pas trop si on lui a ouvert le ventre en deux, hein, c'est un peu ça, ouais. Et oui, il est mort. Je vais voir à la fenêtre si je vois quelque chose et si c'est sécurisé. Alors à la fenêtre c'est sécurisé, par contre ce que tu te rends compte c'est qu'il y a un escalier qui descend tout le long des étages. Je vois quelqu'un ou pas? Secours. Parce qu'on est au 10e là. T'es au 4e. 4e, ouais, d'accord. Il y a 10 étages, t'es au 4e. Quand tu regardes dehors en fait tu vois un homme rentrer dans une voiture noire. Et la voiture s'en va. J'identifie la voiture, la plaque ou quelque chose? La plaque non, la voiture... Ouais, une voiture noire. Après, je te rappelle, hein, il est plus de 20h. C'est pas évident, mais c'est une voiture. Je pense que c'est une voiture assez banale du quartier, quoi. Enfin, tu vois, c'est. D'accord. Ou une connerie comme ça, quoi. Et elle va vers l'ouest, vers l'est, vers le nord. Elle part là, elle part sur. Vers le. Alors, attends. Vers l'est. Je vais fouiller le corps et. Tu vois clairement que Hippolyte a besoin de soin. C'est juste pour te souligner comme ça. Vous me laissez deux secondes? Ouais. Parce que les autres, ça fait quand même. Les petites minutes que vous n'êtes pas là. Je reviens. Viens vous voir. Je vous demanderai de remonter. Je sais pas. Vous m'entendez là? Oui. Oui, vas-y. Ah oui, non, c'est normal qu'il se loupe. Je reviens.
Channel switched. Donc, ça fait longtemps qu'ils sont montés les deux là-haut. En effet. Désolé, j'ai laissé les bottes musique, désolé. Non, bah. J'ai loupé mon entrée, voilà, bien joué. Donc ça fait un petit moment de temps qu'ils sont pas redescendus. Oui, on était en train de se dire qu'ils nous avaient oubliés, comme ils font souvent ça, Hippolyte et Vassili. On pensait aller voir un petit peu ce qu'ils trafiquaient là-haut, en fait. Ou envoyer un garçon d'étage. Ou envoyer un garçon d'étage avant. Vous faites quoi? On va monter. Ouais, on va y aller direct. On va y aller direct. Oh là là, oui, on va monter. Donc vous êtes 1, 2, 3, 4 dans l'ascenseur. Ouais, ok, ça roule. Quand vous arrivez donc au quatrième étage où se trouve la fameuse chambre 410, vous tombez sur un long couloir et vous voyez au fond qu'il y a une porte qui donne sur un appartement au fond à gauche. La porte semble être ouverte et vous voyez clairement du sang par terre. Il y a une énorme flaque de sang par terre. Mon Dieu. C'est Vassili qui a recommencé. Je vous l'avais dit qu'il ne fallait pas le laisser tout seul, même avec Hippolyte. Non mais il ne faut pas les laisser... Vous avez raison Zelda, on ne doit pas les laisser ensemble, c'est de là... Une catastrophe. Mais on a entendu bruit de bagarre ou pas? Restez là, je vais, là, non, restez tu là, je vais voir. Tu n'entends pas de bruit de bagarre, non. Prévenez les garçons d'hôtel, je vais voir. Et puis donc, après, oui, Khalid, si c'est de la faute de Vassili, bon, on va peut-être pas lui faire de la publicité sans avoir voir ce qui se passe. On vous suit, mais on vous suit derrière vous, en fait, Khalid. Est-ce que vous allez tous voir ou pas? Oui. Ok. Ah oui. 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 Deux petites secondes. Ah. Laissez-moi juste. On laisse passer Khalid. Hein, toi, tu passes. Oui. Hop. Tu passes à côté de Khalid ou tu restes derrière? Attendez. En premier, reste derrière, moi. Ah oui, c'est bien. Mais t'as raison comme ça, tu te vois. Je suis un non-violent, moi. Dis-moi. Hop. Non, toujours pas. Je récupère mon arme. Bon, c'est pas grave. Ok. J'arrive pas à faire ce que je veux ce soir. Je. Hop, hop, hop. Ah ouais, d'accord, ok. Deux petites secondes, je suis en galère ce soir. Voilà, bravo. Pas de soucis. Ça arrive. Je suis à vous dans deux secondes. Hop. Bravo. Coulito. Ah putain. Au cas où, je vérifie quand même que mon arme est chargée. Hein, d'accord, okay. Jamais. Ça roule. C'est juste que j'ai des problèmes techniques avec la map là. Voilà, tac, voilà, elle ne m'embêtera plus. Juste horizontal, voilà. Je crois qu'on peut les appeler là. Oui, vous... Voilà, ok, d'accord, ça y est, c'est bon. Hop, hop, et voilà, tout le monde est là. Vous arrivez devant vous, il y a un homme black étendu au sol. Son corps est crevé de balles. Jésus-Marie-Joseph. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je remonte les deux. Je remonte tout le monde. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Vassili et Hippolyte, vous entendez du monde arriver par le couloir. Je pointe mon arme vers la porte quand même. Ne tirez pas. Toc toc. T'entends, ne tirez pas. Hippolyte, Vassili, vous allez bien? Vassili. Non, ça va pas terrible. Vous voyez Hippolyte, il a tout le flanc, c'est le flanc droit, le flanc gauche. Un des deux, tout ouvert, il s'est apparemment pris un énorme coup de couteau. Et il pisse le sang de partout. Certainement que le sang que vous avez vu à l'entrée, c'était à lui. Oh mince. Je vais aller le soigner, moi. Ouais. Non, mais là, c'est pas soigner qu'il faut. Là, vous voyez, il est en train de se tenir. En fait, il est en train de regarder par la fenêtre pour voir dehors. Il est en train de se tenir à la rampe et il est blanc. Ok. Eh bien, chose notable aussi, je sais pas si vous rentrez ou pas, si vous enjambez le corps. Si. Ok, quand vous enjambez le corps, vous pouvez voir sur le lit, clairement, votre ami Jackson Elias, complètement éventré,
à coups de couteau, du sang partout sur le lit, du sang étalé partout sur le lit, sur les oreillers, il y en a partout par terre. Il a été éventré, il s'est pris des coups de couteau, il est étalé là tout le long de son corps, enfin tout le long du lit. Quoi. Il y en a partout, il y a des entrailles un peu partout et tout. D'ailleurs, vous pouvez tous me faire un petit jet de santé mentale. Un petit, oui. Parce qu'il y a une santé. Le premier, c'est nous, mais pas le deuxième. Hein. Donc ceux qui ont réussi, vous ne perdez rien. Ceux qui ont loupé, vous perdez un point. Mais comme vous avez les l'aplomb. Comme vous avez l'aplomb, ça va. Vous arrivez à vous reprendre comme vous pouvez. Mais vous sentez quand même pas super bien de voir votre connaissance là étalée et Hippolyte blessé et quelqu'un de mort dans le couloir. Vassili a l'air d'aller bien, ouais. Impeccable, je fouille. Vous pouvez remarquer que le corps qui est allongé là dans l'entrée, c'est un black avec une espèce de coiffe africaine et qui tenait dans sa main, qui a dû blesser Hippolyte un énorme coupe-chou. D'accord. Moi, je vais aider notre cher Hippolyte pour l'aider à soutenir ou même commencer à l'aider à sortir de la chambre. Ok. Vous êtes arrivé, il était déjà mort ou enfin qu'est-ce qui enfin oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il était déjà mort, oui. Hippolyte a clairement besoin de soins. Oui. Et ben je l'emmène. On fait des soins de premier secours, non? Oui. Vous pouvez déjà essayer de faire un jet de médecine, enfin un premier soin quoi. Je sais plus ce que c'est la compétence. Louise, on te laisse faire. C'est premier soin et médecine, c'est plus approfondi, non? Ouais. Ouais. Premier soin. C'est qui essaye? Ok, il est réussi. Donc tu arrives à peu près à remettre comme tu peux. Tu remets les bouts de viande qui dépassent un peu, mais il va clairement falloir qu'il aille à l'hôpital. Non, c'est pas forcément grave parce qu'il n'y a pas d'organes vitaux touchés, mais il a perdu beaucoup de sang. Ok, et ben je l'aide. Enfin, est-ce que c'est une bonne idée de le déplacer, Louise? Ou est-ce qu'il vaut mieux le laisser allonger puis laisser les infirmiers venir le chercher? Après, il faut voir comment lui il sent et puis. On l'emmène et puis sinon on appelle quelqu'un pour venir les récupérer. Voilà, exactement. Et je suis pas sûre de faire monter des gens ici, quoi. Peut-être si Hippolyte vous sentez descendre un peu, ça serait mieux de sortir discrètement et d'appeler les secours de l'extérieur pour vous éviter d'être mêlé à la scène de crime. Oui, je pense que c'est plus sûr. Une agression dans la rue. Oui. Vous pouvez remarquer que Hippolyte c'est quand même un sacré gaillard et qu'à mon avis il en a vu d'autres parce que. Il prend tout ça avec les dents un peu crispées, mais il a pas l'air bien. Oui. Et Vassili, il va bien, lui? Da. Regarde, il est en train de fouiller partout. Ah. Donc, vous pouvez remarquer que la pièce est dans un grand désordre. Le secrétaire de la chambre a été ouvert. Le contenu a été renversé au sol. Il y a des papiers partout. Comme la fenêtre est ouverte, il y a des légers courants d'air. Donc, du coup, les papiers volent dans la chambre. Ça soulève un peu des trucs. Vous voyez aussi que les bagages d'Elias ont certainement été fouillés, sa valise est complètement ouverte. Bon, il cherchait quelque chose. Je l'ai vu partir par avec une voiture noire. Qui ça? Celui qui a tué Jackson Elias. Ah, mais vous les avez pas tous tués? Non, il y en a un qui a réussi à s'enfuir. Il s'est enfui par où? Il est passé par la fenêtre. En fait, par la fenêtre, là sur la carte, tu le vois, t'as une espèce d'escalier de secours, tu sais, comme ça se fait pas mal en Amérique là. Ah. Pour les pompiers et tout ça là, tu sais. Et il est descendu en fait. Ok. Bon, et si on fouille rapidement ce qui reste? Ah bah, il va falloir faire un. Il y a une pièce à côté là, non? Ouais, voilà. C'est la salle de bain. Ouais. Ouais. Bah, attendez, je peux vous la faire voir parce que la map est quand même hyper jolie. Carrément même. Oui. C'est ça qui est bien de jouer des campagnes super connues. Il y a plein de gens qui ont fait des battle maps. Ouais. Tout à fait. C'est une salle de bain. Il a peut-être caché quelque chose dedans. Bah, vous pouvez me faire un jeu de fouille général. Hein. Vous dites que peut-être que ça va ou pas, Vassili. Mais Vassili, il est un peu encore sur le coup du truc. Oulala, le père Francesco, ok. Ouf. Non, moi j'en fais pas. Ok. Donc, en essayant de prendre plus ou moins, de fouiller un peu tout ce qu'il avait, tout ce qui restait, tout ce qui traîne, vous trouvez quelques trucs, oui, effectivement.
Vous trouvez. Donc. Vous trouvez une lettre. D'un certain. C'est le début des aides de jeu, hein, je vous préviens. Accrochez-vous. vous trouvez une lettre apparemment adressée. Enfin, une lettre d'un certain Faraz Nagir adressée à Roger. À Carlyle. Tandis que je fasse pas de bêtises, mais oui, c'est bon. Faut surtout pas que je me trompe. Ouais, c'est bon. On peut les énumérer là en prenant le truc que vous allez le faire plus tard, quoi. Je sais pas si. Oui, là pour l'instant, voilà. Peut-être on va pas les. Je ramasse tout. Est-ce que j'aimerais bien que quelqu'un fasse les lectures des aides de jeu, c'est marrant. Puis ça vous fait plaisir. C'est moi qui les trouvé. Tout le monde peut, voilà. Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Mais... Cher monsieur Carlyle, j'ai appris que vous cherchiez certains renseignements concernant mon pays et je serai prêt à vous venir en aide. Je possède moi-même certaines pièces que je crois d'une grande importance. Si nous pouvions parvenir à un arrangement, je serais prêt à vous les céder, bien sûr. Elles sont très anciennes et j'en attends un bon prix. Je ne doute pourtant pas que nous parviendrons à nous entendre quand votre agent me rendra visite. Je suis installé rue des Chacals dans le Vieux Caire. Voilà. En attendant, je reste votre humble serviteur. Faraz Nagir. Donc il veut lui vendre documents. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Vous emportez, non? Vous faites quoi? Oui, je prends. Oui, oui. Vous prenez tout. Vous trouvez aussi une carte de visite. Carte de visite. Fondation Pignou. Ouais. Vous trouvez aussi une boîte d'allumettes dans les affaires de Jackson Elias. Ça doit correspondre à un bar ou à quelque chose comme ça. Ça correspond à un bar. Souvent, il le faisait. J'en profite de la montrer à la cam pour les gens qui regardent la vidéo parce que je l'ai en vrai. Voilà. Le tigre trébuchant. T'as une boîte d'allumettes en vrai? Ouais, c'est une aide de jeu, la boîte d'allumettes. Le tigre trébuchant. The juice. Il y a des allumettes dedans? Non, il s'était livré sans allumettes. Mais fallait la monter soi-même alors? Non, elle était dans les. Mais c'est quoi? C'est un restaurant? C'est un hôtel? Ah bah ça après. Ça, ah tu bon, sais on cherchera. Alors donc dessus, il y a marqué 10 Lantern Street, fête et amitié à Shanghai. Ah oui, vous voyez pas, je vais vous lire ce qui est marqué dessus. Donc, 10 Lantern Street, fête et amitié à Shanghai, au tigre trébuchant, manufacturé par Xing Liu Firecracker Factory, dans le canton China. Et après, c'est des sigles chinois. Il y en a partout les quatre coins du monde. Après, tu sais pas. Hein. Ensuite, vous trouvez, ça c'est pareil, je l'ai en vrai, la photographie d'un yacht. Moi je dis yacht. Hein. Je ne sais pas s'il faut dire yacht ou yacht. Moi je dis yacht. J'ai toujours dit yacht. On reconnaît la ville. Il vous faudrait. Les bateaux, c'est des trucs chinois là, non? Avec la voile un peu carrée. Il y a des dômes derrière. Donc elle montre un grand yacht à moteur entouré par de nombreuses, apparemment des jonques chinoises. Ouais, seule une partie du nom du bateau est visible. Les trois premières lettres, si vous zoomez avec la roulette et tout sur le bateau blanc là au bien milieu là, vous pouvez arriver à voir les trois premières lettres D-A-M. Même en zoomant... Moi je l'ai dit, enfin je sais qu'il y a marqué D-A-M, mais... Ici, D-A-M, là. D'accord. Ici là. Ah oui, à l'arrière, ouais. Ah oui, au cul. Moi je lisais PAM, mais bon... Hein ouais, c'est pas, ouais. Ouais, ça bave un peu. Ça bave un peu, mais voilà. Ok. Oui, c'est très certainement. C'est très certainement en Chine. Ah oui. Ouais. Je pense à Shanghai. C'est même très certainement Shanghai. Alors attends, la photographie d'un yacht, c'est bon. Vous trouvez aussi une autre carte visite.
Il y avait le gros lot ou quoi? Ah bah là c'est la fête des aides de jeu. Hein. Hop. Voilà. Une carte de visite au nom d'Emerson importe. Donc c'est le recto et le verso. 648 West 47e, New York. Il y a un numéro de téléphone et au dos, il y a marqué, à l'écriture, il y a marqué Silas Nkwane. Silas Nkwane. Pardon. Ok. Ok. Vous trouvez aussi. Attendez, pourquoi j'entends plus mon bot son? Il n'y a rien qui passe en musique? D'ailleurs, Vassili, juste avant de quitter la chambre, vous avez fait les poches du... Non, on n'a pas eu le temps. Du... Ah non. Mort? Niet, niet. Non. Ok, ensuite, est-ce qu'il reste des choses? Oui, vous trouvez aussi, dans tout le fatras, vous trouvez aussi une autre lettre. Une lettre de Myriam Hartwright adressée à Jackson Elias. Vous arrivez à lire ou pas? Tout juste. C'est fait exprès parce qu'elle écrit mal. Je peux vous le lire si vous voulez. Cher monsieur Elias, le livre que vous m'aviez demandé n'est malheureusement plus en notre possession, mais je pense que vous pourriez trouver ce que vous cherchez dans d'autres ouvrages de nos collections. Si vous m'appelez à votre arrivée, je serai très heureuse de vous rendre ce service. À nous, donc, c'était adressé à monsieur Jackson Elias, à Prospero Press. La lettre est arrivée à Prospero Press et. En 1924. En novembre, peut-être. Ouais. C'est intéressant de regarder les lettres. C'est exact. Les dates, pardon. Ok. Vous trouvez aussi, parce qu'il a fait un très très bon jet, hein, un prospectus. Tellement qu'on n'a pas le temps de tout noter. Ah bah ça, elles seront disponibles dans les images, hein, comme d'hab. Donc ce soir seulement, le culte des ténèbres en Polynésie et dans le sud-ouest du Pacifique, une conférence de 2 heures illustrée par les diapositives délivrée par le professeur Anthony Coles de l'université de Sydney en Australie et actuellement titulaire de la chaire Lockheed d'ésotérisme polynésien à l'université de Miskatonic à Arkham. Voilà. Il n'y a pas la date par contre. Non, mais. Non, c'est bizarre. Elle est passée. D'accord. D'accord. On aurait peut-être vu des pubs dans le métro ou quoi. Ouais, alors ça va aller plus dans le métro. C'est à Arkham, c'est pas juste à côté. Non, c'est pas juste à côté, mais. Puis s'il a dans la poche, on suppose qu'il n'y était pas aujourd'hui à Arkham, donc c'est ça. S'il est passé, ouais, après, on a le nom du professeur. Non, c'est ouais, puis elle est déjà passée. Ah oui, vous pouvez remarquer aussi, en vous approchant un peu d'Elias. Non, c'est pas Arkham, c'est à New York. Hein. Qu'il, oui, c'est à New York la conférence, tu as raison, Nana. C'est écrit. Université de New York. C'est que le mec qui vient d'être. Enfin, il a été. Il était muté. Spécialiste d'Arkham. Ah, d'accord, c'est les références du professeur, d'accord. C'est ça. Pour ceux qui ont approché, toi, Vassili, par exemple, qui ont approché le corps d'Elias, vous avez pu aussi remarquer que. Elias avait une marque sur le front. Ok? Et vous trouvez aussi dans les affaires d'Elias une lettre. Ça correspond à la carte de visite, la première qu'on a trouvée. Emerson Import. Ok. Ouais. Monsieur Elias, suite à votre passage, j'ai retrouvé certaines informations susceptibles de vous intéresser. En restant à votre disposition, Arthur Emerson. Et on a l'adresse à New York en bas.
On va voir tout ça, ça va s'occuper. Donc, bah oui, bienvenue dans la campagne Les Masses de Lumière, la Totep. Vous faites quoi? C'est juste, là on les a passés parce que vous les découvrez comme ça c'est fait. Mais là, dans le feu de l'action, vous faites quoi? Moi je saigne. On descend Needle, ouais. Ouais, juste avant peut-être de quitter la pièce de la salle du crime, est-ce que sur celui qu'ils ont tué là, l'homme noir qui est face contre terre là, si il a un papier d'identité, une marque ou quelque chose sur lui? Non. Tu ne trouves pas de papier d'identité sur lui. Est-ce qu'il a des tatouages de scarification Non, pas spécial. Non, pas spécialement. Je prends sa coiffe. Tu prends sa coiffe, ok. D'accord. On essaye de descendre par l'escalier de service, s'il y en a un, pour pas que repasser par le hall. Ah bah là, votre seule solution, si vous voulez ne pas repasser par le hall, ça va être de faire comme le fuyard. Ouais, je sais pas si Polyte il est capable de descendre par les escaliers. Ah non, mais c'est pour ça que je vous le dis. Je sais pas trop. Ça va être dur. On peut appeler le service d'hôtel. Bah, on peut très bien appeler la police. Si on appelle la police, on peut, mais dans ce cas-là, on va on va éviter la police. Sur une scène de crime, mais j'ai cru comprendre qu'Hippolyte aimait pas très. Bref. Est-ce qu'on peut cacher la blessure d'Hippolyte juste le temps de sortir dans la salle, c'est-à-dire on prend, je sais pas, il y a peut-être un drap dans l'armoire, quelque chose, on l'emballe, il remet sa veste par-dessus, et puis t'essayes de pas saigner, Hippolyte, le temps qu'on sorte de l'hôtel, et après t'as le droit. Ok, celui qui a le plus bas score de chance me fait un jet de chance. C'est toi, non? Je crois que c'est Père Francesco, il me semble. Je crois que la dernière j'ai fois... J'ai 50. La dernière fois, c'est déjà. Toi. C'est toi, t'as pas de je chance. Demande, parce que ça peut changer, comme vous pouvez utiliser votre chance. Ah. Donc fais-moi un jet de chance pour voir si vous avez du bol. Ouais, attends, je ferme toi et tout, t'as pas des trucs. J'ai une pièce, là, hein. ça compte pas. lock. Tac. Ok, d'accord. Vous arrivez à trouver de quoi cacher... T'as fait ta prière. Vous avez fait ta prière. In nomine Patris. C'est ça. Vous arrivez à trouver de quoi camoufler Hippolyte. Donc vous arrivez à quoi camoufler Hippolyte, vous repartez avec tout ce que vous avez trouvé? Oui. Quand vous êtes en train de descendre les escaliers, vous entendez un grand « Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Ça vient de l'endroit d'où on vient? Ouais, ça vient de... C'est comme si quelqu'un venait de rentrer dans la chambre. On accélère. Oui, mais quand même, oui. Sinon, on fait ceux qui sont étonnés. Louches. Bah ouais. Ok, d'accord, vous faites quoi du coup? Alors, je peux vous... Bah, on sort. Je peux vous suggérer un plan de New York, au pire. On peut conduire Hippolyte à un médecin ou un... Moi, sinon, je connais un médecin qui soigne sans poser trop de questions. Ah bon, bah, ça me va. Oui, un vétérinaire. Un vétérinaire. ok, donc on est le soir, donc je sais pas si... là, voilà. Eh bien, on l'emmène au vétérinaire. Pour vous situer, le Chelsea Hotel, c'est là. Bah, je vais vous le partager de toute façon avec le charabe. Voilà. Vous allez avoir une nouvelle pastille qui vient d'apparaître sur la carte de New York. Donc, le Chelsea Hotel, c'est là. Bon, on n'est pas très loin de chez Monsieur Needle. Non, c'est vrai, vous n'en êtes pas très loin. Vous me ramenez chez moi. Bah, on le ramène chez lui et puis je vais appeler un médecin. J'appelle son médecin. Ok, bon, bah, vous vous retrouvez à 21h30 chez Hippolyte Needle, dans son somptueux appartement. Qu'on découvre finalement, parce que je crois pas qu'il nous y ait jamais invité. Si, on y est allé. On y est allé? Oui. Il y a un an. Et il y a un an. Ah, vous avez changé la déco, Monsieur Needle, alors c'est pour ça, je ne reconnaissais pas. Quand t'arrives chez toi, t'as des majordomes, des trucs comme ça, enfin des... Pas des majordomes, mais des hommes de main. Des hommes de main, tout ça, enfin je voulais dire majordome sans dire homme de main. Il te regarde, fait, oh patron, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'enculé qui a fait ça. Appelez-moi Charles, c'est le moment qu'il faut... Ouais, tout de suite, tout de suite. Ah, et toi, appelle Charles, dépêche-toi.
il prend le téléphone et au plus vite il appelle. Donc vous faites quoi du coup chez lui, chez ce cher Moi j'étalerais bien une carte de New York sur la table de son salon, dans une pièce où il n'y a pas d'homme de main, pour essayer de voir où c'est les trucs là, Emerson Import et tout ça. Parce que c'est la nuit, on va pas y aller tout de suite, mais qu'on commence à regarder un peu tout ce que c'est que ce bazar quoi. Plusieurs adresses à New York je crois. Ah ça y est, vous êtes parti là. Ah bah oui, une adresse, un mort. Ah, c'était quand même curieux cette marque qu'il avait sur le front, notre cher Jackson. C'est mémorable. Mmh. Qu'est-ce qu'il si a pu faire une chose pareille? Et si on le googlisait? Ça fait un peu poinçon en fait. Ouais, c'est comme si on lui avait tracé une marque. Ouais, c'est une espèce de sacrifice tribal. Ça nous dit rien, nous, la marque? Non, là comme ça, non. Et l'homme qui s'est enfui, c'était du même type que celui qui était au sol? Un noir? Ouais, de ce qu'a pu en voir Hippolyte, ouais. Ouais. Et il a réussi à emporter quelque chose? Ouais, ça j'ai pas pu voir. Deux hommes d'un autre pays viennent assassiner sauvagement notre ami qui venait nous annoncer qu'il avait trouvé quelque chose d'intéressant sur l'expédition Carlyle. Non seulement il l'assassine sauvagement, mais il lui marque le front. Très curieux tout ça. Bon, il a vraiment dû trouver quelque chose. Alors c'est pour ça qu'en essayant de remonter sa piste avec tout ce que le père Francesco a trouvé chez lui, on arrivera peut-être à remettre la main sur le meurtrier. Moi, je voudrais savoir si la marque, c'est quelque chose qui est gravé ou si c'est quelque chose comme si on tamponne. Un tatouage Non, c'est entaillé sur le front. D'accord. Ça a été fait au couteau à l'instant T. Ouais. Par contre, en termes de jeu, vous savez que vous pouvez aller vous renseigner avec un petit jeu de bibliothèque et vous pourrez peut-être trouver quelque chose. Ouais, en cherchant dans les bouquins d'ethnologie, enfin les trucs avec vos connaissances, sur les trucs tribaux. Vassili, toi, tu sais que tu peux aller. Tu pourrais aller chercher à la New York Central Library ou à la bibliothèque du Congrès à Yale ou enfin un peu partout quoi. Peut-être pas y aller, je te dis, c'est plus tard. Hein, mais non, mais ouais, à la New York Central Library, tu pourrais trouver. Et sur la carte, si Lexington Avenue, par exemple, où il y a c'est quoi que vous des cherchez livres. Dites-moi tout. 47 rue, 47e rue, New York, et 648e ouest. Ouais, mais c'est quoi qui s'y trouve? Emerson Import. Merci, c'est gentil. Emerson, ouais. Je viens de vous le faire apparaître sur votre carte, Emerson Import, c'est pingé. Ah, mais c'est tout à côté, c'est bien. Et le deuxième lieu que vous cherchez, c'est quoi? Et l'autre, c'est Prospero Press, Lexington Avenue. Comme c'est bizarre, c'est pas loin non plus. Ah bah voilà ce qu'on fera demain. Et la conférence, elle est où, là? À l'université. À l'université. La conférence, elle est passée. L'université de Vassili. Elle est passée. Non, par contre, il faut essayer de voir le professeur, du coup. Professeur Coles. Et vous le connaissez pas, oui. Vassili, le professeur Attends, j'ai fait un test d'intelligence. Tu vas me faire un... Attends, deux secondes. Intelligence, c'était bien, non? Non, je t'aurais dit crédit, mais t'as vraiment pas beaucoup. Intelligence... fais-moi un test d'intelligence, allez, je suis gentil. Ça va passer. Ouf, oui, ça passe. Donc, le professeur Cole est effectivement un éminent professeur qui travaille à la Miskatonic à Arkham. Mais tu peux savoir qu'il est de passage actuellement. Un petit coup de téléphone à Arkham. Tu sais qu'il est de passage à New York et tu te dis qu'un petit coup de téléphone à l'université d'Arkham pourrait te permettre de savoir où il loge en ce moment. Ok, bah c'est un truc que je ferai demain. Ça. D'accord. Prospero Press, on sait où c'est, donc on l'a vu. Bah oui. Et l'adresse du tigre trébuchant? Non, mais ça c'est à Shanghai. C'est à Shanghai. Comment te dire, tu connais pas trop Shanghai là. D'accord. De côté pour le moment. Non, je crois qu'à New York c'est les seules infos qu'on a. Et la fondation après, il y a Londres aussi. Il y avait la fondation Pignou. Ça vous dit rien. C'était où qu'on avait C'était une carte de visite.
Et il y a le Kerr aussi. Vous avez tout cherché dans l'image. Hein. Normalement, vous pouvez trier par. Oui, oui. Ah non, vous pouvez pas trier. Merde, c'est chiant. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est tout ce qui commence par 0-1. Non, normalement, vous avez tout de. Par 0-1-NY-AD. Voilà. New York aide de jeu. Fondation Pignou, je vois pas. C'est la carte de visite Fondation Pignou. Ouais. Aide de jeu. Ah, mais c'est à Londres. Ouais, c'est à Londres. Voilà. 35 Tottenham Court. Il y a Kerr aussi, avec Faraz et Nagir. Bon, Pignou, c'est à Londres. C'est les deux trucs, par contre, il y a deux... Mais par contre, Pignou, moi, ça me dit quelque chose par rapport à l'expédition Carlyle. Mais... Pardon ? Pignou, le nom, il n'était pas rattaché à l'expédition Carlyle, ça me dit quelque chose des journaux que j'ai lus il y a fort longtemps. Bravo, madame. Effectivement. Après, vous avez une mémoire photographique. Voilà. Et vous pouvez aussi, normalement, vous avez tous des aides de jeu, je sais aussi. Vous pouvez aussi rechercher des trucs sur l'expédition Carlyle. Elle est partie pour l'Égypte. Elle était à Londres. À elle. Un Sir, Sir Aubrey Pignou. Ça serait un lien avec l'expédition Carlyle déjà. Dont il voulait nous parler parce que à la base il venait nous parler d'une découverte qu'il avait faite sur. Ton médecin arrive, Hippolyte. Hein. Il te regarde, il fait bon, ça va, on va recoudre tout ça. Il va falloir rester un petit peu au repos, bien se manger, beaucoup de viande rouge. Hein. mais bon, pas d'organes importants de toucher, donc vous avez échappé belle. D'accord, remets-moi vite sur pied, j'ai affaire. Vous étiez à un point de dégâts de mourir. Donc là, ah oui, là, quand même. Là, oui. je l'ai quand même bien soigné. Oui, quand même. Donc là, pour ce soir, tu remontes à 3 points de vie. Et puis après, si tu fais pas le couillon, tu reprendras des points de vie au fur et à mesure. Non, mais... Si tu fais pas trop le couillon, tu reprendras des points de vie. Vous voilà, là il est 22h, 22h30. Vous voilà dans le grand appartement d'Hippolyte. Vous vous étiez retrouvé déjà les années précédentes avec un cadavre sur les bras. Enfin, un cadavre sur les bras. Disons que votre connaissance et pour certains votre ami, hein, Vassili, il est un peu plus. Enfin, Vassili est un peu plus touché, apparemment, hein, cher Vassili. Oui, c'est ça. Par la mort de Jackson Elias. Comment introduire un PNJ et le faire mourir? Non, on n'a pas vérifié s'il était bien mort, hein, parce que maintenant je me méfie. Hein, il avait les entrailles dehors. Hein. La viscère et tout était dehors. Hein. Ah oui. S'il y en a un qui arrive à survivre à ça. Ah non, parce que des fois on croit, mais en fait, on a déjà vu. Hein. Dans une autre vie, hein, Zelda parle d'une autre vie, évidemment. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites pour cette nuit? On va profiter de l'hospitalité d'Hippolyte, je pense. Je suis sûre qu'il a des chambres d'amis très très bien, n'est-ce pas, Hippolyte? Oui, faites comme chez vous. Ah, vous aviez déjà dormi, je crois. Ah oui, je crois, mais après, c'est grand, hein, chez toi. Bon, je pense, oui. Ah oui, c'est grand, oui. On en profite pour se faire amener tout un tas de trucs très bons à manger par ces hommes de main, vu qu'ils sont là et Hippolyte, il n'est peut-être pas trop en état de manger, mais nous, oui. Avec Khalid, hein, on va s'arranger pour qu'ils nous servent des trucs. Hein. Tu vois tout passer sous le nez, Hippolyte, et puis au moment où ça va arriver, non, mais le médecin a dit que c'était pas bon pour votre santé, Hippolyte, et hop, ça repart dans les sens. Ok, vous faites donc du coup pour la soirée, vous faites quoi? Ça va être compliqué de faire ça de nuit, je pense. Hein, donc, Hippolyte, je considère que tu peux bouger. Il va falloir que ton médecin attitré te prescrit une canne pour pas trop appuyer sur ton côté droit et pour éviter de trop rouvrir la plaie qu'il a gentiment recousu à coups de whisky. C'est un spécialiste. Il t'a quand même administré quelques médicaments. Et puis il te regarde en partant et dit encore échappé belle. Hein. Increvable, Hippolyte. Increvable. C'est une canne ou une canne épée, Hippolyte? Parce que comme je sais que. Ah bah après, à toi de décider, mais tu devras te déplacer quelques temps avec une canne. Oui, je vais m'attacher avec une canne épée alors.
D'accord. Et on est quel jour? Eh bien, bonne question. Ah, c'est vrai que c'est dimanche, ah, c'est ça. Je veux savoir si c'est dimanche. c'est vrai qu'il faut que je tienne le calendrier à jour. Parce que... Donc, on est passé en 1925. Et le soir, c'était donc le 25. C'était le 25 au soir, attendez. Non, c'était le 15. Le 15. Oui. Le 15, on est donc jeudi, donc demain on sera vendredi. Vendredi ça, Saint. C'est pas ça. Du poisson. Vendredi. Ah, il y a que de la viande rouge ici. Le 16, donc on est le 16, hein, c'est ça. On sera le 16 au matin. Saint-Marcel. Ouais. Saint-Marcel. Ce sera la Saint-Marcel. Saint-Marcel. Ouais. Ok. Ok. Bah, écoutez, si vous passez la nuit chez Hippolyte, ça ne me pose pas de problème particulier. Et vous vous réveillez au petit lendemain. Alors, au lendemain. Donc, on est donc le 16. La une des journaux le matin, c'est... meurtre terrible d'un célèbre explorateur, journaliste, explorateur, globe-trotteur, Jackson Elias, sauvagement assassiné dans sa chambre d'hôtel. Le lieutenant Martin Poole est sur l'affaire. Parce que je sors les noms des PNJ de mémoire, mais oui, c'est ça. Le lieutenant Martin Poole est sur l'affaire. Quiconque ayant vu quelque chose est prié de se rendre à la police, à la brigade criminelle du New York Police District. Puis département, du truc, je sais pas. NYPD. Quand dites-vous Hippolyte? Votre médecin vous a conseillé de rester. Vous n'allez pas aller les rencontrer? Non, je pense pas là. Je pense que je vais rester tranquille quelques jours. Voilà, on dirait que c'est pour des raisons médicales. Que faites-vous au petit matin? On irait bien voir cette Emerson Import, oui. Qu'en pensez-vous? Oui. D'accord. Mais vous êtes sûr que vous voulez remonter les indices laissés par notre ami? Vous voulez pas tout simplement qu'on confie cette affaire à la police maintenant que Hippolyte Needle est hors de cause? Mais vous savez ce qu'ils veulent, la police ici, hein. Non, mais après, Jackson nous a appelé pour nous parler d'informations. Il a peu le temps de nous les donner. J'aurais bien aimé savoir ce que c'était, moi, quand même. Pas vous? C'est vrai. J'ai bien envie de retrouver celui qui m'a tailladé. Riche idée. Vous apprenez que Jackson Elias sera enterré dès le lendemain. Il y aura des noces qui seront... il y aura une fête. Ça va briller. Funérailles. Merci, mon père. Il y aura des funérailles d'organiser dès le lendemain. J'irai. Ça pourrait être intéressant d'y aller, oui. Bah oui, moi j'irai. Hein. Et en attendant, on va aller voir... Emerson Import. Ok, d'accord. Alors, Emerson Import. Ok. On demande quoi, Emerson Import? Pour Emerson Import, on a deux choses. Hein. On a le nom de Arthur Emerson, qui doit être le propriétaire, je pense. Et puis celui indiqué, qui est inscrit derrière la carte de visite, Silas Senkwane. Savoir à quoi ça correspond. Oui, vous pourrez essayer de demander à rencontrer ce monsieur. Alors, attendez, vous faites quoi dans l'ordre là? Parce que vous pouvez pas faire les deux. Bah, on va faire Arthur en premier, je pense. Arthur et Emerson. Et on va voir Emerson et on va demander à parler à Arthur. Ouais. Ça me paraît... pour essayer de trouver des informations sur... parce qu'apparemment, il avait des informations susceptibles d'intéresser monsieur Elias. C'est ça. Pour essayer de voir ce qu'il avait comme information à lui fournir. Il n'y avait pas de date sur le courrier des Emerson importants, non, je crois. Non. Est-ce qu'il y avait une date? Non. Alors des fois, j'ai pas forcément les dates de jeu sous moi non plus. Non, mais après, il a peut-être rejeté, il a jeté l'enveloppe et il n'y avait pas la date. Hein. Enfin, c'est pas...
Ok. Donc, sur Emerson n'importe. Vous savez qu'elle est domiciliée dans... dans l'ouest, ouais, dans Manhattan. Donc je vous l'ai fait voir hein, sur la carte. Mm-hmm. Donc il vous faut pas très très longtemps pour y aller. Sachant aussi, alors attendez, je recherche aussi la carte du coup pour moi. Image. Je vous avoue que c'est un petit peu, y en a partout. New York. J'avais fait raccourci. Bon, c'est pas celle-là, voilà. Ça, c'est touche pas ce petit con. Ça, c'est bon. Donc, ouais, en fait, Emerson importe. Je vous partage. Quand vous approchez, puis il y en a certains qui connaissent, vous êtes déjà passé devant et tout. En fait, c'est un espèce de long bâtiment étroit situé donc sur le côté ouest de Manhattan. Et il y a des quais de chargement en fait aux deux extrémités. D'accord ? Ok. Donc c'est vraiment un truc. C'est une société qui s'occupe de réceptionner des bateaux, des affaires venant un peu partout du monde. Ok ? Ça marche. Alors, story. Pop. Ah bah attendez. Vous y allez comment ? À pied. Bah à pied. Oui, c'est pas loin. D'accord, bah c'est pas très très dur. Vous sauf si Hippolyte nous accompagne à ce moment-là. On va prendre un tuk-tuk, un taxi. Un tuk-tuk. Pour quelle avenue ? Ah bah vous pouvez hein, prendre. Après tu peux te faire conduire, hein, Hippolyte, t'as du monde. Hein. Oui. Mais d'ailleurs j'ai pas ma canne sous le coude. Non, c'est dans la main qu'il faut l'avoir. j'ai pas dans la main non. Pardon, plus. Pardon, tu veux une canne épée déjà ? Alors attends, tu me laisses deux secondes. Hand weapon table et canne épée, ça s'appelle une putain une comment ça s'appelle en anglais sword, la canne ça se dit comment sword chose, rapière heavy épée sword épée un taser non c'est pas bon pas encore je crois qu'on l'avait c'est pas un staff blade ou un truc comme ça non staff c'est des baguettes on de magicien trouvé, hein. C'est peut-être je vous rappelle stick que... plutôt ou... stick. Et on l'avait la canne épée. On l'avait déjà utilisé ce truc là. Je crois que oui, mais je sais plus qui c'est qu'on avait une, mais il me semble. Dans la librairie là, Hand Weapon Fire Artam, non c'est pas ça. Référence Vitos Bespel, c'est pas ça. Coq Epic, non c'est pas ça. Je sais plus comment ça se dit une canne épée en anglais. Sword Cane. Sword Cane, tu crois ? C'est aussi simple que ça ? Je sais pas. Ça ressemble. Oui, ça sonne bien. Eh bien oui, c'est ça. Tu peux pas avoir juste une canne comme tout le monde. C'est une Sword Light. Ouais. Sword Medium. Sword Light. Sharpened Fencing Fold, Sword Canne. Je l'ai. Ok, monsieur, vous pouvez l'avoir. Voilà, monsieur Hippolyte. Alors, déjà, première chose dans ton inventaire. Swordlight, elle est là, tac, voilà. Et est-ce que du coup, ouais, alors de base tu as sword de base tu as 20 sur la canne épée. Ah bah oui, après c'est la base, c'est 20, donc après il faut se spécialiser, quoi, faut savoir faire des pés. Faut s'entraîner. Voilà. Pour s'entraîner, faut s'en servir. Donc tu l'as dans ta feuille, c'est bon ? D'accord, oui, merci. Ok. On n'a que Toulouse, hein, on n'est pas DD. donc, vous vous trouvez devant... Je vous l'ai partagé ça ou pas ? Pardon ? Là, ce que je viens de vous partager. Oui. Ah oui, c'est Emerson Import. Vous voyez, jusqu'au détail d'écrit Emerson Import sur le coin du bâtiment. Oh oui. Ah ouais. Emerson Import... Import-export. C'est ça. Ah ouais. Ça doit pas être loin d'être ça. Ouais. Comme c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le mec qui fait. Vous avez vu le détail ? Ok, d'accord.